Il a fait des caricatures fantastiques de tous les parlementaires. On peut les voir notamment au musée d'Orsay qui est juste à côté, avec des petites terres cuites où on voit qu'à travers l'art de la caricature, chacun des parlementaires qu'il a représenté, croqué, modelé, décrit toute la société française. À des questions, mais auxquelles j'avais vraiment réponse, auxquelles j'étais, pas de questions de piège ou de volonté politique à mon expérience. S'adresse au ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer. Monsieur le ministre, vous avez présenté ce matin votre projet de réforme pour le baccalauréat, engagement de campagne du président de la République. Cette réforme est issue d'une large concertation, impulsée par la mission que vous aviez confiée à Pierre Mathieu. Après plus d'une centaine d'auditions, il vous a remis son rapport le 24 janvier. Et je souhaite ici saluer ce travail. Cette réforme est issue. Donc du coup, il faut rester concentré et toutes ces remarques qui sont dites quand la personne parle sont notées. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'elle parle pour déstabiliser la personne qui est en train justement de dénoncer et de parler de la loi quand ils ne sont pas d'accord. Mais c'est surtout qu'à partir de trois mots, c'est enregistré et ça fait comme une prise de parole longue dans l'hémicycle. Donc les personnes, donc ça marque leur présence. Par exemple, dire c'est complètement faux, c'est enregistré, ça marque une présence et ça marque comme si vous aviez fait une intervention dans l'hémicycle. L'équipe, vous ne le saviez pas, ça, ce genre de choses. Stratégie. Donc c'est oui, découverte sur découverte. Ouais. Je pense que la première année. Je pense que ça fait partie du rôle du député, c'est d'ouvrir les portes de l'Assemblée nationale, qui est quand même la maison des citoyens. Donc c'est important de que tout le monde puisse se représenter ce lieu de vie, ce lieu de travail, l'organisation, les murs, mais aussi pouvoir échanger en direct sur comment ça se passe à l'Assemblée.